Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc un bonus pour les objections, c'est que avant même que vous ayez présenté votre produit, eh bien lui, comme le client, c'est une personne qui pense pas sur le prix quelquefois, il y a des clients qui pensent comme ça, mais il va vous dire, ouais mais moi je peux l'avoir moins cher là-bas, moi je peux l'avoir là-bas. Donc là, qu'est-ce que vous allez dire? Donc ça peut arriver donc avant la présentation, mais également après. Donc qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, bien sûr, monsieur, et je suis tout à fait d'accord, vous pouvez trouver moins cher ailleurs, là-bas à Saint-Denis, là-bas à Saint-Paul. Vous pouvez trouver moins cher, il n'y a pas de problème à ça. Mais vous n'allez pas m'avoir, moi. Il va dire, what? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous n'allez pas, eh bien, avoir le support client 24 heures sur 24. Vous n'allez pas avoir, eh bien, mon numéro de téléphone, mon email, mes contacts, mes coordonnées pour me contacter à n'importe quelle heure, même à minuit. Vous n'allez pas avoir les bonus que vous aurez pu obtenir avec cette montre en achetant ici. Vous n'allez pas recevoir les cadeaux et les surprises que nous vous aurons offert pour votre anniversaire. Vous n'allez pas également avoir, eh bien, la chance de devenir un client VIP. Voilà, là je vous donne des exemples, mais vous devez dire ce qui va manquer en fait. Ça peut être les bonus, ça peut être le service client, etc. Donc, cette objection, vous devez la prendre et la personnaliser. Donc, par exemple, vous vendez une montre, vous n'allez pas obtenir ça, vous n'allez pas obtenir les bonus, vous n'allez pas obtenir ça, 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 ça. Donc là, vous devez personnaliser. Donc, vous devez dire d'accord, mais vous allez manquer ça. Et une fois que vous avez dit ça, vous présentez ce qui va manquer, tout simplement.